même gens autorité dans l'exécutif là, dans législatif là, a fait violence chaque jour sur la population, hein, mettre la population dans insécurité, dans impunité, dans grand goût, dans la misère, et bien la police n'est pas capable de faire même bagaille. Donc ça, ça passe là, c'est une provocation, et la police, s'il continue comme ça, n'est pas capable de découvrir la population. Hein. Donc, nous-mêmes, nous demandons pour la direction générale de la police, directeur général de la police, avec tout l'état-major de la police, là, pour y assumer les responsabilités. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord, c'est chaque fois qu'il y a des gens victimes, nous préalent, et nous qui victimes de la police, et puis nous prenons une enquête, il faut que nous-mêmes, nous évitons ça. Si nous regardons le bilan, pour l'année 2018-2019, les mobilisations ont commencé jusqu'à juin et février 2019. Mais vous gagnez pour éviter 69 personnes qui mourent dans la manifestation. Et soit les gens qui mourent pendant la manifestation, ou bien les gens qui mourent, ou bien les gens qui la manifestation. Donc, et puis, gagne, et au moins, vers là-dedans, qui recevra un balle en tête. Donc, et dans plusieurs cas, et il y a des plaintes qui adjoignent l'inspection générale de la police. À mes populations, par contre, résultat à plainte ça. Donc, nous dit la police n'est pas capable de faire répression sur la population. La population a gagné droit pour manifester, à faire des questions par coup et à poser des problèmes. Les peuples en colère ou pas gagné des questions par coup, le pays n'a pas dirigé. Ça, pour la police à faire, avec le faible moyen que vous avez, c'est pour éviter des dégâts, de protéger la vie avec. Dans la rue, mais n'est pas capable d'accraser les manifestations, de gaz à lacrymogène, tirer sur le monde. Et il y a plusieurs monde qui prend balle, monde qui est à l'hôpital, ça, nous-mêmes, nous condamnons. Les peuple haïtien, par exemple, pour liberté d'expression, liberté d'association, et je ne dis pas, la police a lui-même les victimes, même gens avec la population. La police a victime, même gens avec la population, parce que c'est dans l'entrée de la population, c'est eux-mêmes qui n'ont pas les moyens pour faire travail, c'est eux-mêmes qui ont des difficultés, et ils n'ont pas capable de exécuter, ils n'ont pas capable de prendre la position politique. Ils ne pas capable de prendre une répression, autorité, ils le prennent derrière, ils humilient, ils n'ont pas de régler pour eux, ils n'ont pas de moyens pour faire travail. Donc, c'est pour eux arrêter, pour faire travail, dans quatre travail, pas exécuter l'autre manifestement illégal. Nous condamner ça qui passe, révoltant, donc c'est répression. Et c'est violence qu'on continue à faire pour sous population, et population pas capable de rester bois croisé pour continuer, pour quitter, il y a continué à faire violence sur lui comme ça. Pierre Espérance, nous remarquons pendant le dernier jour ça, il y a un pile critique qui tombe sous la police là, et surtout après assassinat dans Carrefour et jeune garçon ça Vladimir Fédé, et puis il y a un Amira Guantou hier, il y a un militant politique qui recevoir balle selon et dirigeant opposition c'est nommé la police, et puis dans Gantier également il a accusé la police qui t'a tiré yon l'autre militant, et sans compter ça qui passé dans corridor Bassia côté un petit monde entre 2 et 3 ans et t'a recevoir balle nommé la police. Et au niveau NDDH, est-ce que nous déjà contacté inspection générale la police qui contacte nous ensemble avec eux et qui ça dit nous par rapport avec agissement force l'audio? Bon, nous-mêmes, oui, et ça n'a dit, c'est pas enquête inspection la police pour nous chiter à ce niveau, mais c'est comportement la police. Pour qu'ils savent bien enquête sur policiers qui n'écrasent les zones de manifestation, n'écrasent et bloquent, n'écrasent les populations dans les revendications, c'est comportement la police. On est là, il faut qu'on connaisse qui est ce qui va l'audio. Il faut qu'on explique quelle position tout ça. Est-ce qu'on prend route crasé Zoa, même avec l'exécutif, même avec l'initiative là? Est-ce qu'on prend route dans cette violence sur la population? Donc nous-mêmes, c'est ça qui est important pour nous. Et nous-mêmes, nous demandons explication bon côté aux responsables de la police là. Et nous disons que bagaille ça n'est pas capable de continuer parce que la population son droit qu'elle gagne. Pour son acquis qui vient, c'est droit, il vient pour l'exercer droit, li, et aucun monde n'a pas retiré la main. Trois pressions, trois cas aussi aller dans la mobilisation, yo, et ça pas capable de continuer comme ça. Donc, inacceptable, et c'est révoltant. Donc, la police n'est pas capable d'entrer dans les répressions avec sous population. Et là, encore, il y a
gen des questions qu'a posé par exemple des monde qui version différent dans question ca Vladimir Fedea et gen monde qui parlait de un jeune garçon qui saute fait sport qu'a acheté un boisson pour le boire et yon ghetto depuis de là étant et agent PNH vini pendant l'île dans espace là et puis malgré le te mettait à genoux il mettait main li sous tête li en signe de faiblesse côté que li dit il est impuissant devant Foster Dieu malgré ça et yo a battu li 200 fois. Oui, nous j'en suis hier cas comme ça. Et là où prend cas un jeune et garçon qui était tué dans zone et ancien Premier Bank et côté que maman d'avril 2019 là et sous prétexte que et il qui participé dans World Cup alors que c'est pas vrai. Quoi qu'il y devait et maintenant là et puis il était à genoux, il est tiré quand même. Ça et il va même la manifestation. Nous où jouons, et par exemple quand ça aussi était à jeune garçon ça dans qui passait et Carrefour et c'est même qui se passait là lundi là lundi qui était 16 et septembre 2019 là. Ça montre que les policiers, dans plusieurs cas, les policiers ont reçu l'ordre pour participer à la répression. Ça veut dire que bon, les gens ont le droit, les citoyens ont le droit de manifester son droit quelqu'un, et lui a circulé, et la règle des affaires, et puis la police neutralise et lui exécute. Donc, nous-mêmes nous disons que les bagages sont graves, nous révoltants, mais c'est parce qu'il y a un pilote car encore qui passait qui était impuni. L'organe des policiers qui allaient exécuter l'autre manifestement illégal dans Pèlerin, les Alcraz de Caï et Monazonio, l'organe des plusieurs autres cas, que cas exécution, cas et bastonnade, des responsables dans la police, ou bien des cadres dans la police, des policiers, mais l'inspection générale de la police n'a pas communiqué par la nation chaque dossier ça, mais qui ça le fait avec eux, mais qui décision finale qui prend sur eux, est-ce qu'il y a là-dedans qui est évoqué, est-ce qu'il y a là-dedans qui est devant la justice, et c'est ça, comme si on a une impunité totale, et c'est impunité ça qui baille la police, en pile policier, carte blanche, pour faire sa affaire, qui a fait répression sous population. Alors que revendication population, c'est revendication policière, policière dans l'insécurité, par exemple. Seulement pour aller ça, ou déjà 32 policiers qui mourent, alors que dans 3 années, c'est passé, on a environ 15 à 17 qui mourent son année. Donc, il y en a une sécurité, il n'y a pas de moyens pour faire travail, et aujourd'hui, en pile là-dedans, il y a une route politique là, pour que il y a participé dans la bastonnade, il y a fait une répression, il y a exécuté l'autre manifestement illégal, nous-mêmes nous disons, bagaille ça, inacceptable, nous-mêmes nous avons besoin qu'on ait qui position. Et où est l'état-major de la police sous bagage ça? Oui. Et. Allô, Pierre Espérance? Oui. Oui. Nous, à tout par exemple, il y a des policiers qui portent cagoule, qui cagoulent, qui font qui marrent visage là dans la manifestation. Est-ce que, au niveau de NDDH, nous faisons constat ça tout? Et est-ce que c'est un comportement qui est normal pour les policiers? Nous connaissons ça depuis plus de 60 semaines. Il y a une note qui sortit, bon côté direction générale de la police, là, côté que vous éliminez pas ça. Alors que, depuis mobilisation, vous avez commencé, et jeudi, ma cité 15 septembre, là, nous, ouais, Kagoula retourné. Ça veut dire que l'ordre là pas respecté. Et donc, c'est tout bagage ça, on a demandé explication. Parce que pour qui sa police est obligé en cagoule? À qui est-ce la police dans la guerre? Population parle dans la guerre avec la police là. Lors la population a intervenu dans la guerre, il toujours parler bien pour les policiers, pour les conditions policières de travail. Et j'ai au même temps donné insécurité, j'ai croisé bandit. Donc, toujours aujourd'hui, et vagabond, mauvais élément, délinquant qui gagne en dans la police là, eh bien, si vos responsables de la police n'ont pas de sel avec eux, il faut qu'ils nettoient eux. Quand ils sont capables de policiers, ils sont capables de cadre dans la police là, mais quel que soit côté où ils sont, il faut qu'ils aient dans la police là qui pour prendre sanction, il faut qu'ils agissent et il faut qu'ils agissent et sans aucune force, sans force côté.
Donc, si ils n'ont pas fait ça, eh bien, les ça, nous-mêmes, la conclusion, c'est qu'ils ont entré tête baissée dans la répression. Merci, c'est un plaisir de vous parler, bien, Espérance. D'accord.